Question 37. Ajouter la signature personnelle au brouillon nouveau tarif uniquement. Envoyer le message. Alors, on va dans le dossier des brouillons. On va chercher le brouillon nouveau tarif, le voilà, dans lequel on va dans le groupe inclure de l'onglet message. On va cliquer sur signature et choisir personnel. Et puis enfin, on va envoyer le message. Merci.